now ya only make him marine taboo, marine taboo, only find him say, and he got fish, he got long thinking, long make him long, help him long community, help him community. Dans l'archipel volcanique du Vanuatu, les blocs de lave durcis côtoient de jeunes coraux qui s'épanouissent dans des lagons aux eaux translucides. L'agriculture est l'activité principale de ce peuple mélanésien très attaché à la terre nourricière. Mais au Vanuatu, la mer est partout, renfermant des trésors de biodiversité dans leur écrin de corail. Et les jardins aussi sont marins, jouant un rôle clé dans l'alimentation quotidienne des populations. Cette dépendance alimentaire vis-à-vis de la mer est encore plus marquée dans l'archipel voisin, aux îles Salomon. Ce chasseur, à l'équipement plus que précaire, va tous les jours pêcher le repas de sa famille à la force de ses poumons. Ces poissons colorés, inlassablement prélevés dans le lagon, sont autant de protéines qu'il n'aura pas à acheter pour nourrir ses enfants. Traditionnellement, les aires taboues permettaient aux poissons de se multiplier et grossir en prévision d'une pêche miraculeuse. Pour un temps abandonné, ces outils de gestion retrouvent aujourd'hui de leur intérêt aux yeux des populations. 70% des protéines consommées tous les jours proviennent du lagon. Les aires marines protégées connaissent un succès grandissant. Mais sont-elles réellement efficaces sur le plan scientifique et économique? Nico, quel est le principe de ton suivi avec Eric Lua, coordinateur du CRISP, supervise le travail de Nicolas Pascal. Qui reviennent et qui vont vendre sur le marché. Donc, c'est les premiers résultats sur la productivité de la pêche. Donc là, c'est le nombre de kilos qui sont pêchés par, par heure dans chaque village. Donc là, par exemple, un village qui a une réserve marine, proche de la réserve, pêche 8-9 kilos par heure. Tandis que dès qu'on s'éloigne de la réserve, on tombe sur du 3-4 kilos. Et un village qui n'a pas de réserve marine est aux alentours de 3 kilos. Pour parvenir à ces résultats, Nicolas organise chaque semaine des pêches expérimentales avec l'aide des pêcheurs des villages à qui il explique le déroulement. We want them save close le conservationnaire, so you save choose place you want them. Allez, how much time? 1 hour long conservationnaire. Le principe de ces pêches consiste à comparer les captures dans deux villages qui possèdent une aire marine et deux autres qui en sont dépourvus. Pour chaque pêche, un filet est disposé à chaque fois au même endroit. Ensuite, les pêcheurs effraient le poisson afin qu'il se prenne dans les mailles. Les prises sont récupérées pour être pesées et mesurées à des fins de comparaison scientifique entre les différents sites. Mais l'intérêt des aires marines ne s'arrête pas à l'augmentation de la productivité de la pêche. Elles servent aussi le développement de l'écotourisme. Au Vanuatu, les maisons d'hôtes se multiplient. When tourists are coming to snorkel in the marine protected area, we have three parts for the money coming in. I have a part of it. Another part goes to the community, and then the third part of it goes to the environment committee of the community. Les sommes sont réinvesties dans l'entretien de la réserve. Les tortues se sentent en sécurité, à la grande satisfaction des touristes. Si les aires marines ont des effets directs positifs, elles supposent des restrictions. Pour compenser, le CRISP appuie le développement de filières économiques qui valorisent la biodiversité récifale. They are doing aquaculture, which is by all means of coral farming. This is because by introducing MPA or marine protected area, one way of alternative to livelihood is by doing coral farming. Basically, it's not very high price, but a small value of $7 per pieces. And it varies on the owner, depends on the exporter. The coral farmer sometimes sells around up to 20 to 60 species in a week. We save about $100 per month times by 12. So roughly in an annual profit, we should say $1,200. Cette technique alternative durable de récolte et d'élevage de corail a d'autres vertus. The guys here, John and Richard, that will stop them from dynamiting fishing and
over harvesting of coral like wild harvest. So that will maximize the impact of coral within our areas, especially in San Playa and Longana area, which is have or under the community and coastal program for the marine protected area or taboo sites. La tête de corail est fragmentée en petites branches qui sont placées sur une rondelle de béton qui sert de support pendant la croissance. Il faut environ une année pour que les boutures grandissent d'une dizaine de centimètres. Elles seront ensuite vendues sur la capitale en vue d'être exportées sur le marché de l'aquariophilie. La première étape du voyage passe par une structure qui centralise toutes ces productions individuelles pour des économies d'échelle. We have farmers scattered throughout on the different islands, which are fairly scattered about. And the job of the depot is to collect, to pack and send off to Honiara, to the exporter, the products of the farmers. Transportés dans des glacières, les précieuses cargaisons sont acheminées en bateau vers l'aérodrome local. Elles seront ensuite exportées vers les États-Unis. Au-delà des organismes à valeur marchande qu'ils hébergent, les récifs sont avant tout un rempart contre la houle océanique. Ces digues naturelles permettent d'économiser des milliards de francs à comptabiliser dans leur intérêt économique global, sur lequel l'homme doit indéniablement capitaliser.